Je parle pas de mes sources de revenus, hein. C'est en vidéo, ouais. Je parle jamais. Hein. Ouais, mais tu veux que les gens ils parlent de leurs sources de revenus. Je devrais me reposer, hein. C'est normal, enfin. C'est ce que les gens font les week-ends. T'aurais pu réaliser ce que tu es en train de réaliser sans le salaire suisse? Jamais. L'accompagnement, je pensais pas que ça allait être autant de travail. Je dis que j'ai jamais essayé, c'est la première fois que je vais essayer ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'expatrier à Dubaï? J'ai deux sociétés de location de voitures, une agence immobilière à Dubaï et un centre de formation en France, donc qui génère un chiffre d'affaires annuel, disons. Cette semaine, ça a été une semaine où j'ai beaucoup bossé. Et ma foi, c'était assez fatigant. Entre la création de contenu, mon travail et l'accompagnement que je suis en train de finaliser et qui sortira sur la prochaine vidéo, beaucoup de boulot. Mais vous savez quoi? Dans une vie, on ne peut pas être que travail. Sinon, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Et puis, j'adore travailler. Mais tu sais, ça commence à devenir chiant quand tu fais que ça. Donc je suis pas mal sorti, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes très inspirantes, certaines qui sont millionnaires, et même un gars qui en une seule semaine a fait 100 000 balles. Ouais, vous avez bien entendu. Moi aussi ça m'a choqué, je me suis dit c'est un truc de fou, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et ça te montre aussi ce qui est possible à faire dans la vie. Et puis bien évidemment, comme j'essaye de le faire, chaque mois je me dis, je fais quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ça me permet d'apprendre et je pense que beaucoup trop de personnes se contentent du métro boulot dodo. Bon, si tout comme moi, vous bossez en Suisse, vous c'est plutôt Léman Express boulot dodo. Et jamais prennent le temps de découvrir de nouvelles choses. Donc, j'essaye de le faire. Quoi qu'il en soit, bienvenue avec moi pour une semaine dans ma vie. Et tout ça a commencé un dimanche matin. Petit vlog où je vous emmène avec moi sur cette journée. On est dimanche. C'est le week-end, je devrais me reposer, hein. C'est normal, enfin, c'est ce que les gens font les week-ends, non? Ils se reposent. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, journée de tournage, je dois rencontrer un mec qui s'appelle Salimou, et qui du coup, lui, à la base, était frontalier. Il est né dans le coin, j'ai cru comprendre. Et puis, petit à petit, il a monté sa boîte, et il a une boîte sur Dubaï, d'agence de location de voitures, quelque chose comme ça, il en a une en Suisse. Et puis là, une sorte de restaurant chicha, je sais pas trop quoi, qui est juste ici, à la frontière. C'est là-bas que j'ai rendez-vous avec lui, dans à peu près 5 minutes. Oui, bon, on sera légèrement en retard, mais je vais y arriver. Après, voilà, tout au long de la journée, il y a pas mal de choses à faire. Là, c'est pour un tournage, hein. Je vais le voir, le mec, un interview. Aucune idée de quand est-ce que la vidéo sortira quand vous regardez ce petit vlog, mais en tout cas, elle sortira. Toi, tu t'es expatrié à Dubaï alors, totalement. Ok. À la base, t'es français. Je suis français. Alors là, c'est pas le mec que je dois interviewer, hein. C'est son caméraman, hein, je précise. Ça te dérange si je te filme ou pas? Vas-y, je vais te poser quelques questions. Hein. Je suis toujours intéressé par les profils de personnes. Oui, y'a pas de soucis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'expatrier à Dubaï? En fait, moi j'aime beaucoup les voyages depuis un moment, tu vois. Et je profitais de ce métier-là, tu vois, de faire de la production pour voyager, tu vois. Et faire des expériences à l'étranger, tu vois, j'aime beaucoup apprendre une nouvelle culture, parler d'autres langues, etc. Ok. Là-bas, j'allais m'expatrier en Amérique. J'avais le choix de m'expatrier. Ah ouais, rien à voir. Ouais. J'allais m'expatrier soit au Canada, j'avais un très bon ami à moi qui s'est expatrié là-bas, tu vois, donc ça me donnait l'idée. Et j'avais une deuxième option, c'était Miami, c'était le state. J'avais un gros client là-bas qui me permettait de pérenniser, tu vois, du revenu et de m'installer là-bas. Mais j'avais Dubaï dans un coin de ma tête, tu vois, pour moi, c'était... J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu, je dirais pas l'Eldorado, mais en tout cas, un endroit que beaucoup de personnes visent. Et tu as une agence de production que tu as créée là-bas ou que tu as créée avant? J'ai créé ici, en France. Et après, je suis parti à Dubaï avec ce savoir-faire-là et que j'ai développé là-bas aussi. Ouais. Très sympa. Tu l'as payé combien? 4 000? Peut-être un peu moins, peut-être 3 000, c'était un moment. Je crois qu'il a 3 003. En totalité. Je parle pas de mes sources de revenus, hein. C'est en vidéo, ouais. Je parle jamais. Hein. Ouais, mais tu veux que les gens ils parlent de leurs sources de revenus. Non, mais faut que les gens aussi ils sachent que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, t'as pas besoin d'avoir des millions. Bien au contraire, tu veux te lancer pour faire des sous. D'ailleurs, tu commences avec tes petits moyens. Bon, on va commencer le tournage. Comme vous voyez un petit peu les backstage, bah, c'est un petit peu ça. Moi, je vais mettre là, ça c'est Salimou, la personne que je vais interviewer. J'ai deux sociétés de location de voitures, une agence immobilière à Dubaï et un centre de formation en France, donc qui génère un chiffre d'affaires annuel, disons,
entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est quand même une chance de pouvoir travailler en Suisse et de pouvoir avoir un salaire suisse. Et c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui arrive à pouvoir décrocher un emploi en Suisse. Donc c'est pas pour le quitter comme ça du jour au lendemain. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est un conseil quand même que je donne aux personnes, c'est vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais en parallèle, vous avez un emploi en Suisse. Gardez votre emploi en Suisse, c'est votre parachute. C'est clair. L'interview avec Salimou s'est super bien passé. Il a duré en totalité 4h37, ce qui est, oui, beaucoup. Mais voilà, de toute façon, la vidéo fera pas cette taille-là, bien sûr. Et puis, moi, quand je suis inspiré et que j'ai devant moi une personne inspirante, ça y est, c'est terminé. Hein. Ça part dans des questions et des questions. Et puis, j'aime beaucoup l'idée que de me dire que pour beaucoup de personnes, ils ont la sensation que les gens qui réussissent, comme Salimou, en plus lui, il a réussi sur plusieurs aspects, c'est-à-dire que beaucoup ne réussissent qu'à avoir une famille, ce qui est magnifique, mais ne réussissent pas sur l'aspect financier. Et beaucoup réussissent sur l'aspect financier, mais n'arrivent pas à avoir une famille. Lui, il a réussi sur les deux aspects. Et beaucoup de personnes ont cette sensation que les personnes qui réussissent comme ça sont différentes, sont exceptionnelles. Et quand tu les rencontres, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'elles n'ont rien d'exceptionnel, si ce n'est leur débrouillardise. Alors tu te dis, si elles, elles l'ont fait, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis après, on a été à la salle de sport, mais ça, je ne l'ai pas filmé. Bon, maintenant, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées, que j'ai sélectionnées. Donc, n'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo, à me poser un maximum de questions et j'y répondrai peut-être sur une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris quand tu es arrivé en Suisse en tant que frontalier? Je dirais la mentalité de certains frontaliers. Il y en a beaucoup qui viennent ici, qui viennent de loin et qui tentent cette aventure-là et qui ont en eux une détermination, une hargne, comme dirait Nietzsche, une volonté de puissance qui est incroyable. Et je trouve ça vraiment super. Il y en a plein qui se disent, vas-y, je prends un premier boulot, puis j'enchaîne aussi avec un deuxième boulot en même temps. Et puis, à côté de ça, tout l'argent que je gagne, je l'investis pour un projet, je monte un business. Il y en a même qui viennent en se disant, je bosse tant de temps en Suisse, je gagne tant d'argent, je mets tant de côté, et je crée tel truc, j'investis un business, je crée un restaurant, je sais pas quoi. C'est une superbe détermination que plein de frontaliers ont. Petite pause dans cette vidéo, vous souhaitez venir travailler en Suisse mais vous ne savez pas comment vous y prendre, alors abonnez-vous à ma newsletter, c'est le premier lien directement dans la description. Et à travers, vous allez recevoir des conseils et des offres pour vous aider dans votre aventure à devenir frontalier suisse. Et bien évidemment, c'est totalement gratuit. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, maintenant, on passe à la suite de ce vlog. Chapitre 2, rencontres et sport. Il y a quelques temps, je me suis mis à la course à pied, sauf que la course à pied, eh ben, j'aime vraiment pas ça. Mais je dois quand même faire 2 séances de cardio chaque semaine, en tout cas c'est ce que je me suis obligé de faire dans mes séances de sport. Donc je me dis, je vais varier. Donc maintenant je fais une séance de course à pied, de running. Pour le moment je cours toujours en tapis, mais je me dis, je vais changer, je vais courir aussi un peu dehors. Et la deuxième séance, eh ben, je suis au trampoline park et puis je varie. Dernière fois j'ai fait du roller, mais voilà, j'essaie de faire d'autres sports qui me font toujours kiffer, qui me font toujours plaisir et qui ont cette notion là de cardio. Et ouais, si vous avez un sport que vous aimez pas, trouvez un compromis. Bon, on se repose. Nous sommes des vieilles personnes. Quand j'étais jeune, je pouvais l'enchaîner, moi, le trampoline. Je te le dis, hein. Ah oui, hein. Les figures, elles y allaient toutes seules. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Ça y est, il est mort. On a perdu Zach. Ouh. Ouais, je vais essayer. Double salto avant. Tu vas où là? À la Jordan. Michael Jordan, il y va. Il se lance. Allez, champion. Non. Et ben voilà, parfait. Ça c'est nickel. Oui. Allez, on se casse. Moi je commence vraiment à être crevé, mine de rien, ça fait déjà deux heures hein, qu'on fait du trampoline. Et c'est vraiment un sport qui fatigue. Je voulais qu'on discute un peu du fait que bah toi quand. Enfin. Voilà. Hey, je suis fatigué. Je voulais qu'on discute du fait que bah, on travaillait dans le même restaurant en Suisse. Mm-hmm. Toi t'as quitté le restaurant et tout l'argent que tu gagnais à Genève, du coup, tu la mettais de côté pour développer ton projet
qui toi était de bosser dans la photo. Ouais. En quoi, en un an, t'as mis peut-être 15 000 balles de côté, enfin 15 000 balles que t'as investi dans des caméras, dans des fous furieux, ouais. Et maintenant t'es totalement à ton compte dans la photographie. Ouais, exactement, c'est ça. Je suis quelqu'un qui, comment dire, quand il veut faire un truc, quand il veut réussir dans un truc, il essaie de mettre tout, mais vraiment tout dedans. Genre moi, j'ai pas envie d'arriver à 30 ans qui, je suis là encore à bosser pour arriver à faire ça à 100%, le photographe à 100%, mais non. Je travaille à 100%, on dit comme ça. C'est normal, hein, c'est, on peut dire les débuts. Ouais. Mais déjà, pour être le début, je voyage beaucoup, je travaille avec une entreprise. Ouais, il y a pas le temps, t'es au Maroc avec une entreprise, ouais. Tu prenais des photos là-bas. Ouais, je suis au Maroc, là, au Kenya. T'aurais pu réaliser ce que tu es en train de réaliser sans le salaire suisse? Off. Off. Jamais. Jamais. Ouais, rien qu'une caméra, moi, je savais pas, hein. Enfin, maintenant que je suis dans le YouTube game et tout, machin chose, oui, je commence à me renseigner, je commence à connaître. Mais c'est vrai qu'une caméra, comme il l'a, parce que j'ai fait un shooting avec lui il n'y a pas longtemps. Ouais. Déjà, ma la caméra, nouvelle que tu vas acheter là, elle fait quoi, 6 000 balles, tu m'as dit? Ah, 6 000 balles, j'aimerais. C'est 8 000 balles. 8 000 balles, ouais. C'est juste la base. Ah, c'est fou. Juste la base, hein. C'est juste la base. Si tu veux acheter l'objectif aussi, bah, on peut dire 2500 en plus. Wow. Mais t'imagines si tu devais financer ça avec un salaire français en ayant un loyer chargé de toi payer, tu mets quoi, 50 balles par mois, mais tu l'as dans 10 ans ta caméra. Ah oui. T'auras un conseil à donner à quelqu'un qui veut bosser de sa passion, tu sais, qui veut venir en Suisse et tout pour faire de l'argent et à côté faire sa passion? Déjà, venez ici. Parce que si vous avez un rêve, la Suisse permet, comment dire, aider à faire son rêve, le taf. Non, le trap. Non. Comment vous dites? De tes rêves. Comment on dit nous les Français? Ouais. Son rêve professionnel, tu veux dire? Vas-y, vous avez compris là. Prochain chapitre, quelques jours plus tard. Aujourd'hui, je suis en week-end. Alors, j'ai 3 jours en totalité. Ça a commencé hier, mais hier, j'ai pas filmé. J'ai pas mal bossé hier. J'ai bossé plus ou moins 12 heures. Donc, oui, j'ai mon salariat. Mais quand je suis pas en train de bosser au restaurant, bah, je bosse sur mes propres trucs. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est comme ça que les choses avancent. Donc là, j'ai bossé pas mal hier sur l'accompagnement. Aujourd'hui, je vais un peu plus bosser sur de la création de contenu. Et puis, j'ai aussi 2-3 trucs à faire en immobilier, un peu de gestion classique quand tu as des appartements, quoi. L'accompagnement, je ne pensais pas que ça allait être autant de travail. C'est vraiment, vraiment beaucoup de taf. Et puis, moi, j'ai une idée précise de ce que je veux. Je veux quelque chose de précis, concis et d'organisé. Et j'essaye de faire en sorte, je fais en sorte que ça ressemble à l'idée que j'ai en tête. Même si je sais pertinemment que voilà, quand tu lances un truc, ça ne peut pas être parfait. C'est comme ça. Et petit à petit, tu améliores les choses et ça s'améliore. Et l'idée que j'en ai sur le long terme, c'est vraiment de faire de cet accompagnement où j'aide les personnes qui travaillent en France avec le salaire français à venir bosser en Suisse avec le salaire qui va avec, quelque chose de complet avec d'autres personnes que moi qui vont accompagner les gens individuellement, des recruteurs, de plus des contacts en agence d'intérim, faire des lives aussi toutes les semaines sur les problématiques que rencontrent les personnes. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, pas mal de trucs en tête à mettre en place petit à petit, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant que de bosser sur son propre projet. Donc, là, je vais bosser. Et puis après, aller au cinéma, je vais voir Dune 2. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc-là. Le packaging, enfin je sais pourquoi je l'ai acheté, parce que le packaging est joli. Tu me dis, ah c'est beau et tout, mais en fait c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. 4DX, j'ai jamais essayé, c'est la première fois que je vais essayer ça. Le mec à l'accueil nous a dit que la différence entre 4DX et normal, c'était qu'on pouvait recevoir de l'eau, de l'air et que les sièges bougeaient. Donc ça va être marrant. On y va? Et pour ceux qui se demandent, je suis aux Arenas de Genève et c'est super sympa parce que là-bas il y a un bowling. Il y a tout un truc d'arcade, il y a beaucoup beaucoup de choses. Il y a des restaurants, KFC, McDo, c'est pas des restaurants très luxueux, c'est vraiment assez abordable. Et j'ai payé un peu plus de 50 balles pour 2 places au 4DX. Oh la vache, ah c'est dingue. Et là, ça marche déjà. Pour ceux qui ont des profils comme le mien, où c'est des gens qui aiment travailler et qui travaillent beaucoup, moi, j'adore travailler à travers ce que je fais sur les vidéos, aussi ce que je fais à travers l'immobilier. Et même dans le nombre de travail que j'ai eu, je me suis toujours beaucoup, beaucoup donné. Et je pense que le travail est quelque chose d'essentiel. Mais pour autant, il ne faut pas ne vivre qu'à travers ça. Et ça fait du bien des moments comme là où j'y vais au cinéma, ça me change les idées,
Et ça permet vraiment comme une sorte de souffle d'air frais. Et donc ouais, pensez au travail, pensez à vos objectifs, à vos projets, mais pour autant, ne soyez pas tout le temps que ça et voyez un petit peu autre chose. C'est tout. Pour le dernier chapitre de notre histoire, Annecy m'attendait. J'avais quelques rendez-vous, un ami à voir et une rencontre à y faire. La soirée s'est très bien déroulée. On a fini dans un restaurant entre fondue, raclette et crème brûlée. Toujours cette notion de travail et de plaisir. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Mais le problème d'ici, c'est la distance. Parce que si vous êtes frontalier et que vous travaillez à Genève et vous habitez ici, toi, c'est fou que t'aies fait 100 000 balles en une semaine. J'étais un Marvel. Bah ouais. Bah c'est fou, et en même temps, c'est que 100 personnes. Qu'est-ce que t'as fait avec cette thune? 100 000 balles en une semaine, je sais même pas ce que je ferais. Alors, je sais pas si je t'autorise à répondre et que ça passe pas dans ton vlog. La thune, j'avais pas pour moi, j'ai pas la partager. Donc, si ça reste dans tes mains, c'est qu'un problème. Ce mec-là, donc Ibrahim, a fait en une semaine 100 000 balles. Je sais, c'est beaucoup, c'est impressionnant, moi aussi ça m'a choqué, et vous vous demandez certainement, mais comment est-ce qu'il a fait 100 000 balles comme ça en une semaine? Je vais essayer de vous expliquer, même si j'ai pas tout compris. Alors j'aurais pu filmer un petit peu plus et l'interviewer et tout, mais bon, vous imaginez bien que je suis en train de manger une fondue, je vais pas faire « Allez, je filme l'interview maintenant !» Non, tu vois, il y a des moments qui ne sont pas forcément propices. Et c'est un peu la difficulté d'ailleurs de filmer un vlog. Donc, en gros, lui, il aide les personnes à valider leur challenge propre firme. Alors les challenges propres firmes, qu'est-ce que c'est? C'est pour les personnes, j'ai cru comprendre, hein, qui veulent trader et qui ont pas de capital, mais qui sont bons dans le trading. Et il y a plein d'étapes pour valider ce challenge-là et avoir ce capital-là. Et donc lui, il va t'aider à réaliser ça. Et en une semaine, il avait eu 100 clients à 1000 euros par client. Donc forcément, bah, ça fait 100 000 de chiffre d'affaires. Ce qui est juste magnifique et très inspirant, je trouve. Et ça montre vraiment que... waouh! Il y a plein de choses qui sont possibles, hein, des choses que je ne comprends même pas, que je ne connais même pas. Challenge propre firme et tout, pff, moi j'y comprends que dalle. Bon, allez, on reprend le vlog. Ça a été une grosse journée pour moi. Et puis, vu que tous les rendez-vous que j'avais à faire à Annecy ont quand même duré assez tardivement, on a été manger une fondue, etc. J'avais vraiment la flemme, j'étais trop fatigué de rentrer à Annemasse, prendre le train, plus le dernier train, il était à 23h57. J'ai dit, allez, c'est bon, je me prends un petit hôtel. J'ai regardé le premier truc que j'ai trouvé qui était à côté de là où j'étais. Et franchement, c'est correct. Hein, regardez la salle de bain. Elle est vraiment sympa, moi, je trouve. Et vous savez combien j'ai payé? Essayez de deviner. 90 euros? Non. J'ai payé ça 47,50 €. Mais je pense que c'est vu que bah, je l'ai pris là à quasiment minuit et que de toute façon, la chambre allait rester vide, c'est pour ça que le truc était à 47,50 €. Mais c'est cool, hein, franchement. Là, les gars, mais je vais super bien dormir. J'ai dormi que la nuit dernière. Là, on va faire un gros dodo. Et puis demain, je vais tourner une vidéo. Du coup, je pense, enfin, je réfléchissais à ça, où je vais donner mon avis sur la ville d'Annecy, parce que j'avais fait une vidéo où je donnais mon avis sur la ville d'Annemasse. Ça avait pas mal plu et pas mal intéressé. Beaucoup m'ont dit oui, fais telle ville, fais telle ville, fais telle ville. Il y avait notamment Annecy. Et j'en ai déjà parlé d'Annecy dans des vidéos shorts. Et à chaque fois, ça plaisait. Donc je me dis... allez, vas-y, je vais le faire sur une longue vidéo. Ça pourra peut-être vous aider, vous apporter de la valeur pour ceux justement qui se disent « Est-ce que devenir frontalier en habitant sur Annecy, c'est jouable? Est-ce que c'est intéressant? Aussi, au niveau de loyer, combien est-ce que ça peut coûter ?» Et puis, vous faire visiter cette magnifique ville, puisque oui, c'est une très belle ville. Bon, moi, je vais faire dodo et on se revoit demain. À chaque fois que je me lève le matin, avant même... de m'habiller avant même de me doucher, la première chose que je fais, c'est faire mon lit. Même ici, dans un hôtel, pour une raison très simple, c'est que je trouve que me lever en accomplissant une tâche, et bah, tout le reste de la journée, ça me conditionne à enchaîner les différentes tâches. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, bah, je trouve que mettre en place de bonnes habitudes, c'est hyper difficile. Par exemple, ça peut être pour certains... se mettre au sport, bah pour d'autres, faire leur lit le matin, ou peut-être bien manger, ou se dire tous les jours, je travaille 2 heures sur tel objectif ou telle chose. Mais en fait, petit à petit, quand tu le fais, et quand tu le fais chaque jour, ça devient vraiment de plus en plus simple, et ça devient simplement ton quotidien. Je voulais juste cliquer. C'est la 14... Annecy, c'est beau. Faut dire ce qui est cette ville, je crois que je vais le dire tout le long du vlog, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est beau! J'adore la beauté parce que je trouve ça hyper inspirant. Et surtout, quand
quand t'es créateur de contenu, youtubeur, appelez ça comme vous voulez, t'as vraiment besoin de beauté pour créer. Ça t'inspire. Regardez-moi ça. C'est magnifique quand même. Merci à vous. On sent qu'Annecy, c'est une ville quand même vachement sportive. Je veux dire, à chaque fois, tu vois des trucs de ski. Même dans la rue, les gens courent, les gens font du vélo dès le matin. Il y a vraiment cet esprit-là sportif. Et on sent que c'est sportif de montagne. Les mecs qui vont faire de la randonnée, ils vont faire de l'escalade, ils vont faire je sais pas quoi. Pourquoi, si vous aimez le sport, je pense que c'est une bonne ville pour ça. C'est quoi, c'est pour les chiens? Zozo, oui. Drôle d'oiseau que ce zozo. Ah, c'est compliqué. Ça, c'est l'art contemporain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aimais bien les statues grecques, Hercule et compagnie. C'était la classe, ça! Je suis dans un coworking et puis je suis en train de travailler sur l'accompagnement. Les différents modules, les différentes vidéos. Là, j'ai un locataire qui m'a appelé il y a 3-4 jours de ça pour un problème d'électricité qu'il a dans son logement. Je lui ai demandé un petit peu de me dire ouais, qu'est-ce que c'était. Bon, il m'a dit en gros que les lumières font que de sauter, il y a des prises qui ne marchent pas, etc., etc. Donc, il faut être réactif, surtout sur les problèmes d'électricité, parce que tu dis ça peut prendre feu ou je sais pas quoi. J'appelle un électricien pour faire un devis. L'électricien se pointe et après il m'appelle. Et je m'attends à avoir ouais, les devis et une date pour pouvoir commencer les travaux. Il me dit que c'est pas jouable pour lui, qu'il n'a pas envie de le faire, en gros, parce qu'il y a trop de boulot, il n'aurait pour 2 jours de taf, qu'il y a toute l'électricité à refaire. Il ne m'a pas fait de devis, rien du tout. Je lui ai dit si quand même il pouvait me donner plus ou moins une tranche de combien ça aurait coûté. Il m'aurait dit plus ou moins entre 800 et 1200 balles. Donc là, je suis en train de chercher une autre personne. C'est bien de se servir de son salaire suisse pour, à côté, acheter de l'immobilier et se développer. Mais il ne faut pas oublier que tout n'est pas rose. L'immobilier, surtout quand tu commences à avoir plusieurs logements très rapidement, c'est une grosse source de problèmes. Tu as toujours des locataires qui t'appellent, tu as toujours un pépin. Là, 800 à 1200 balles à sortir, bon, c'est pas le bout du monde. Mais quant à ça, sur toute l'année, sur plusieurs logements, à la fin, ça est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, il faut quand même le savoir avant de se lancer dans cette aventure-là. Mais effectivement, il y a des gros côtés positifs aussi. Hein. Sinon, personne ne le ferait. Annemasse, en ce moment, niveau travaux, c'est un truc de fou. Là, il y a des travaux. Là, il y a des travaux. Et là-bas, tu continues, il y a des travaux. Là aussi. En fait, Annemasse, il y a des travaux partout, quoi. Oh, mais la taille du trou. Waouh, faut être motivé hein, pour faire un truc comme ça. Bah, écoutez, là, je suis de retour d'Annecy. Moi, je vais me rentrer tranquillement. J'espère que cette vidéo, bien sûr, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire. Voilà, dites-moi, ouais, la vidéo, Henrik, elle était super, elle était incroyable, ou j'ai pas aimé ci, ou j'ai adoré ça. Les commentaires positifs, c'est toujours un réel plaisir que de les lire. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le premier lien dans la description, c'est ma newsletter pour que vous puissiez obtenir des conseils bah pour aussi, ceux qui le souhaitent, venir bosser en Suisse. Allez, c'était Henrik MB, restez vaillants, ciao.